Alors, l'intro fonctionne pas bien. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pas le droit de mettre le chat, donc du coup, vous ne vous verrez pas. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Mais bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez des deux oreilles déjà, premièrement? C'est la vraie question que je vous pose. Bonsoir. Je suis arrivé, je peux vous assurer. Non, que de la gauche. Ah, ok, oreille gauche. My bad. C'est moi. Je vous ai dit, hein, ça va être un peu le bordel. Vous inquiétez pas. Est-ce que là, c'est mieux? Là, normalement, ça doit être mieux. Là, normalement, c'est bon. Là, c'est plus seulement la gauche. Nope. Comment ça, nope? Ah, comment ça, je suis mute? What the fuck? Attends. Pareil, chouchou, ok. Attends, je comprends pas. Là, normalement, c'est bon. C'est bon, non? Vous avez juste la gauche? Vous avez pas la droite? Sur mon Mac, j'ai la gauche. Ok, j'entends que d'une oreille. Ok. Et là, non plus. Ok. Juste la gauche? Attends, mais c'est quoi ce bordel? Attends. Qu'est-ce qu'il me fait, le garçon, hein? Channel stéréo. Attends. On va réussir. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'il nous fait, le garçon, là? Pourquoi j'ai que le... Ok. Je suis sourd de la droite. Non, mais c'est terrible, là, par contre. Comment ça, j'ai que la gauche? Why? Ça commence mal, cette histoire-là. Pourtant, j'ai fait ça. Attends. Et là, vous avez... Putain, mais c'est bizarre, ça, quand même. Normalement, j'avais tout fait... Ah, ça, c'était sûr que ça allait foirer, ça, tu vois. Attends, je regarde, tac. Mais le casque à l'envers, on entendra à droite. Ah, terrible! Ah, terrible! Attends, deux secondes. Oh, putain, alors là, par contre, je vais appeler un pote. Je fais appel à un ami. Mon casque à l'envers? Non, il est pas à l'envers, il est à l'endroit, les potes. Je vais appeler un pote. Vous inquiétez pas. Hop. Il est où, mon petit pote? Tac. On va l'appeler. Il a intérêt à décrocher, ce garçon. Faut mettre en mono. Ouais, mais c'est un délire comme ça. Il va se dire, putain, merde. Par contre, il a intérêt à décrocher. No joke. S'il décroche pas... Elle est où, l'alerte sub? Ah, oh, putain, les alertes sub, elles fonctionnent pas? Oh là là, mais il n'y a rien qui va ce soir, là. Putain, par contre, si... J'avoue que s'il répond pas, ça va vite pas le faire, quoi, en fait. Réponds! Décalage. Non. Mais ouais, mais si je passe en mono, normalement, j'ai pas un problème avec ça. Oh, putain. Allô? Pourquoi on m'entend que de la gauche et pas de la droite à l'oreille? Ouais. Faut que je... De quoi, les filtres ou les... Alors, attends. Attends, merde. Attends, tac. Je sais pas, ouais, vas-y, bah j'ai à peu près tout désactivé. Est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon, voilà, on nous dit, ah, c'est bon. Ok, je sais pas lequel... Ah bah bravo. Ok. Ok. Ah ouais, il y a des Pro Q3, je sais pas quoi, entre parenthèses mono ou sans rien. Et faut que je mette le mono? Ah. Ah ouais. Oh là là, ouais, d'accord, mais Aïe. Ah ouais, bah ouais, mais non. Bon, on fera les presets plus tard, c'est pas grave. Ce soir, ce sera... Ouais, il y a juste à les passer en stéréo. Ok, ça marche. Oui, il faut les passer en... Ok, d'accord, ça marche. Ok, dac, merci bro. Le chat te remercie. La bise, ciao, bye. Voilà. Hop, tac. Très bien, les presets n'étaient pas pluggés comme il fallait les pluguer. Ce soir,
On est sur iRacing, on est sur le PESC. On reprend une saison du PESC, mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Je vois que vous êtes déjà, putain, on est déjà très nombreux. Merci le train de live. Je crois que je n'ai pas les animations de la... des subs, etc. Donc c'est un peu le dawa. Je pensais sincèrement que tout allait rentrer dans l'ordre. Mais comme je suis dans un nouveau studio, comme vous pouvez le voir, et ben forcément c'est un petit peu plus compliqué. Hein, voilà. C'est un petit peu plus compliqué pour se lancer. Bon, parlons peu, parlons bien. Je vous propose de passer en in-game. Normalement vous devriez avoir la voiture. C'est bon, on entend la voiture. A priori on est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si je mets race, voilà. On est à Hockenheim aujourd'hui, Hockenheim, et on va aller voir Hydro dans quelques instants aussi. Je vous jure, mais là je sors d'une journée. Putain, ça s'arrête jamais. Attends, on va aller voir Hydro. On va aller voir Hydro. Allô? Ça va? Attends, merde, ils t'entendent pas. Ah, pour une fois que c'est moi. Voilà, c'est bon. Salut. Ça va? Ça va? Oh putain, c'est fort. Oh putain, ils t'entendent pas non plus. Alors, oh, normalement, merde. Le son d'Hydro est peut-être un chouille fort, voilà. Donc ah là, non, normalement, bah, il m'a là, fait la même, on est bon. On m'entendait pas chez lui. Est-ce que vous entendez, est-ce que le chat entend le son de ma voiture, hein, quand j'accélère? Parce que j'ai eu quelques problèmes, on m'entendait que de l'oreille gauche. On m'a dit. On entend sa voix d'ange, c'est bon? Oui, c'est bon, allez, ok. Tu m'entends derrière? Ouais, parfait. Ah oui, bah oui, on t'entend. Alors, je veux pas te mettre la pression, mais je trouve que ça va super vite quand même. Elle est cool ta caisse, c'est la bleue là? Bleue et blanche? Non. Moi? Non. T'es où? Attends. Moi elle est violette ma voiture. Attends, c'est où mon... J'ai un bouton pour le pit limiter? Non, c'est pas grave. Ça fait longtemps on s'est pas vu ça. Ça fait... Ouais, alors déjà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bonne année, tout ça, mon ref. Attends, ok. Ah bah ouais. Attends, on est déjà en février, gros. Hein. T'as vu, gros, le mois de janvier, on s'était fait souffrir. Je le te ouf. Oh punaise. Attendez, mais... Alors déjà j'avais pas vu, j'avais pas eu MXA. Oh là là. Alors attends, comment on range? Oh putain, y'a rien qui va. On va mettre le relatif comme ça, on voit ce qui se passe derrière. Mais de ouf. Oh là là, mais ça va être terrible cette première journée. Elle va être incroyable. Vous avez la squad les gars pour regarder le... Oh là 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 là. Ah, je vous préviens, ce soir ça va être un carnage. On va être les deux guignols français dans le fond de la grille. Les deux mauvais de la classe là. Après si on se bat entre nous, ça fait un bon divertissement, ça fait un bon stream quand même. Ça peut être cool, tu vois. C'est vrai. On peut voir ça comme ça. Vous me dites le chat si vous voulez plus fort. Le son, peut-être que c'est pas assez fort. Normalement, ça devrait être pas mal. Tu veux que je te donne à peu près moi mon rythme? Le peu de tours que j'ai fait, j'étais en 41 max. Alors, mon PB c'était un 41. Ok. Là ça roule en combien? En 38. Ah, d'accord, en 38, très bien. Donc, on ça va. 3 secondes. Le retour de Tiki un peu trop fort, le jeu trop fort, ok. Alors bougez pas. Le jeu est assez fort, moi je... Augmente un peu son jeu. Alors, attendez, bougez pas les petits potes, on va mettre un chouille moins fort. Voilà, là normalement ça doit être mieux. Attends, j'essaie de regarder qui arrive aussi. Voilà. On essaie de pas trop camper à la corde. Alors, attendez, hop là, voilà. La balance. Parfait, nickel. C'est bien, ouais. Alors, hop, la balance de frein. Merde, putain, mais j'ai pas ma PB. Je suis pas sur la balance. Ouais. Ouais. Non, monte un petit peu, parfait. Je vais monter un tout petit peu là. Hop, voilà. Là, c'est bon. Nickel. Ah, les premiers tours chrono, c'est parti. Mix. Ça devrait être meilleur là, vous me dites si c'est bon le chat. Aïe. Des pieds un peu moins fort, attendez, je vais jouer ça après. Quoi? Tu n'aimes pas ma voix suave? Ta grande gueule là. Ma grande gueule? Ah, comment? Quoi? Ah, quoi? Allô, hein? Allô, ça glisse? Tout quoi depuis là? Oh là là, bah écoute, j'ai passé un mois et demi à... Non, en vrai, il y a 3 mois de travaux et de boulot dans là où je suis actuellement. D'ailleurs, sur le dos, incroyable. Donc, et il y a encore des trucs qui fonctionnent pas, donc autant te dire que. Autant te dire que c'est pas fini quoi. C'est pas fini, on attend des canapés aussi, on attend. Faut que j'aille acheter un tabouret, faut que j'aille acheter des chaises. C'est les Sims ou quoi? De ouf. Non mais gros, c'est YouTuber Lives là, mais.
Du coup, voilà. Là, c'est la première fois que je stream depuis mon nouvel emplacement pour le simu. Wow. Ouais, c'est pas bon, toi. Oh, le blocage de la roue. Oh non, non, non. Oh putain, oh là là. Ah ouais. Oh là là, ça commence. Oh là là, aïe aïe aïe. Ça commence les problèmes. Les aïe aïe aïe, les problèmes. Par contre, ouais, dis donc, la Porsche elle est beaucoup plus joueuse d'outre-arrière maintenant. Elle a l'air vachement. Alors, Johan m'a donné 2-3 conseils, lift and coast et attention sur les freinages et les rétrogradations là. Les rétrogradages. Ouais, les rétrogradages. La balance de frein, il t'a dit combien fallait la mettre? Non. Johan! 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 Robin! Johan! Attendez, j'ai un ingénieur dans l'appart là. Robin! Moi je suis avec 45, j'ai laissé 45. Ah, moi j'ai descendu à 6. Quoi? C'est combien la balance de frein sur une Porsche, Robin? Mais toi t'as l'habitude de la rouler cette Porsche, c'est pas ça que tu fais en live d'habitude? Bah si, mais elle a beaucoup changé de comportement, je pense, avec l'update. C'est pas tout à fait la même, j'ai l'impression qu'elle qu'elle est beaucoup plus. Elle glisse beaucoup plus de l'arrière. Elle a le bout qui chamboule. Elle a, ah bah alors là, elle, ça chamboule. Elle saute les pneus arrière, comme on dit. Sous onduleur, évidemment. Demande à Johan Hart. Mais Johan Hart, tu veux pas nous donner. Johan! Johan! La balance de frein! Seul truc qu'on peut changer sur cette foutue voiture. C'est faux, j'adore les Porsche. Hashtag ad. Non, hashtag... par contre, en vrai, alors, je veux revenir sur un petit truc quand même, parce que moi, je suis claqué sur la racine, tu vois. Moi, alors, on va pas se mentir. Alors, il va y avoir une surprise ce soir. On va être deux. On a quand même la chance d'être encore invité malgré moi mes faibles performances. Merci quand même à Porsche de nous inviter pour faire les clowns. Mais bon. Ça, là, on complète une grille là quand même. Hein. La distance est là juste pour la présence. Moi, Porsche, ils m'invitent, ils savent très bien que je suis pas fort. Hein. Moi, je suis le clown. Hein. Il faut un Maldonado au fond de la grille, quoi. Voilà. Ouais, dis donc, elle est plus dure à rouler qu'avant. Hein. Oh. Ah, c'est le... Il se trouve des excuses. Ah, si, oh, tu te rends pas compte. Écoutez-le. Hop, voilà. Alors, on a fait combien là? Je suis P15. Moi, je suis Bagnès. Pas, pas de chrono pour l'instant. Oh, le blocage. Oh, je vais caner. Putain, j'ai un moucheron qui est dans la pièce. Il est devant moi. Alors, lui, autant te dire que si je le chope, ça va mal se terminer. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est le premier live hein, depuis Forza Horizon 5 et décembre. Quand ça roule en combien là? Que je rigole un peu, 38,7. Très bien, ça roule. Bah ouais, là pour le coup ça roule. Très bien, 38,7, donc y a pas de souci. Ah, y a des coachs dans le chat, ça me dit tu upshift un peu tard. N'hésitez pas, hein, si vous êtes coach. Vous pouvez pas être pire que moi, donc moi je prends. C'est les essais. Pour l'instant, on est en practice et je crois que dans 10 minutes la qualif va commencer. Déjà, putain, j'ai pas eu le temps de faire deux tours. 10 minutes, ça va, t'as le temps de faire un petit relais. Ouais, d'accord. Ça, on a deux courses. Les potes, on a deux courses. On a deux courses, ouais, ce soir. Main et une course encore. Enfin, non, du coup, c'est une sprint d'abord et une longue. Est-ce qu'il y a toujours la grille inversée? J'ai pas fait gaffe. Si, normalement. Normalement, c'est toujours la grille inversée. Pour la deuxième course, c'est ça. On a une chance d'être aux avant-postes. Oh putain, on va faire un carnage sur la deuxième course, ça va être terrible au départ. J'ai montré le clip à Spa l'année dernière où j'avais strike tout le monde. Ah bah yes. C'était pas à Spa l'année dernière qu'on s'était tous plantés au départ? Aussi. Ah oh. Voilà. Oh, ça glisse, chef. Non mais là par contre va falloir me donner un réglage de balance de frein, je suis toujours P15. On est français. Je pense qu'il faut que je reste en deuxième. À chaque fois, je bloque les roues à l'épargne. Moi, je bloque un petit peu les roues de l'avant. Là. Il est où, Johan Hart? Johan, tranquille, il s'en fait, je pense. M'en fous. Tu peux baisser en 44, mais du coup, il fera rien. Wouah! Il met. Ah, c'est mieux, j'ai mis un peu de frein à l'arrière. Nickel. Pas une voiture là?
que j'ai fait de la merde. Oh là là, ça va être... Non mais ça va être scandaleux les gars. On est 14 et 15ème, hein, let's go. Allez, Julien, et genre, moi gros. Oui bah ça va, j'ai fait un tour. Hein. Ah, j'en ai fait deux. Je sais pas si... Je sais pas s'il va me mettre sur l'avant ou l'arrière avec cette voiture, hein, ouais. Ouais, je vais rester en dessous. Faut mettre de la 3. Faut mettre pas mal de freins à l'arrière. Moi, je la conduis comme la tour pour la qualif. Je sais pas, c'est 2 tours peut-être, comme d'hab. 2 ou 3, je crois. Oh bah, y'en a un, il vient de prendre la piste de Draxler. Ils sont pas les stacks. Ouais, c'est dingue, ouais. Calif de 12 minutes. Ouais, mais sur les 12 minutes, je crois que je peux pas faire les 12. Ah oui! Ah non, si! C'est marqué. Oh. Bravo, on a pas lu le briefing. Ah, je l'ai lu, mais le briefing, il a tendance à changer. Ça, c'est un peu la FIA ici aussi. De ouf! Hâte de voir qui sera Michael Bessé. Non, Mikey, no! This is not fair! Alors, qu'as-tu pensé de la Haas VF22, s'il te plaît? J'aimerais avoir ton avis, mon bro. Elle est blanche. Alors, moi, je parle du design, parce que bon, la livrée, je m'en bats les steaks. Bah, en vrai, moi, j'aimais bien l'année dernière. J'aime bien encore, je trouve ça joli, non? Oh, frère, les blocages de roues que je te fais. Mais non, je la trouve jolie. Bon, ils ont pas changé grand-chose, mais... Oui, mais non, je parle pas de la livrée, je parle du design de la voiture. Mais du design, tu parles des F1 2022 ou... Bah oui, des F1 2022, ah, quoi d'autre. Ouais, c'est un rendu de cyber, ok, elle est cool. Maintenant, faut voir si ce sera la même, mais ça sera pas, ils m'ont dit. Ouais, les tours sont moches. Ouais, les entrées d'air latérales, gros. Les entrées d'air, je suis pas fan. Les loin avant, bof. Ouais, ça va. Le reste, en vrai, ça passe. Après, y a pas de problème. Voir les vraies voitures, parce que c'est pas. Ils m'ont dit, ah, c'était. Là, les rendus qu'ils ont fait, c'est des rendus qui datent de cet hiver, d'il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc. Donc c'est les trucs, tu sais, c'était les V0.5 de la voiture, quoi. Ouais, d'accord. Donc oui, il y a le dirty air sur un racing, et oui, ça va être dur de doubler. Enfin, de nous doubler, nous, non, mais doubler les autres. On va se battre, là, je sais pas contre qui, mais on va se battre. Mais pourquoi, t'es pas fan, toi, de la voiture, du coup? J'aime pas du tout les entrées d'air des pontons. Enfin, les pontons, j'aime pas du tout. Donc, c'est ça, c'est vrai que les entrées d'air, c'est très petit comparé à avant, mais... Non, mais attends, mais il y a quelque chose que je fais pas bien, là. Je suis en 41.7 quand tout le monde est en 38. Alors moi je suis pas en 41, mais attends, mais j'ai 42.1. On va se calmer. Et tu peux enlever du fuel. On peut enlever du fuel. Ah bon? Mais non, mais non, on est en setup X. Bah non, c'est setup X. Attends, mais je suis en combien de fuel là? À 2 doigts de strike le petit map malone, hein. J'étais à 2 doigts de strike le petit map, le pauvre. Non, j'ai pas regardé le fuel, Romain, désolé. On est à 100 litres. Peux-tu changer de vue s'il te plaît? Alors. Ah non, 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 on est à 30. C'est le principe d'iRacing les pads, malheureusement pour certains, c'est qu'on joue en POV pilote. Du cockpit. Non mais les gars, y a un truc que... Non mais on est d'accord qu'il y a un truc qui va pas chez moi là, attendez. Comment ça je fais P15? J'ai perdu mon skill cet hiver là? Oh, le slide en entrée du stadium. Après, si je peux te rassurer, ils ont pratiqué toute la semaine dehors. Mercredi, ils étaient tous sur le Cerveto. Hein. Ah ouais? Ouais, moi j'ai eu. Casse pas le bouche! Que Nicolas, il avait ouvert un cerveau d'entraînement et tout, tu m'as mis dessus. Non mais attends, mais. Non mais gros, mais c'est. J'essaie de voir les trash qu'il a, Matt, mais attends, mais il a des trash trop bien lui. Les freinages. Chii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 
Non mais je prends 7 dixièmes quoi, mais what the f... Attends. Hop, on va aller faire un tour en cockpit là. Moi j'aimerais comprendre. Il a fait 19 tours. Mais TK. Mon Matt Malone, je veux m'entraîner, je suis nul. Je suis nul, I am bad. Let me entraîner. Merde, putain, bon. On aura pas envie de faire une Vettel, hein. Imagine, je fais une Vettel dans le stadium là. Ah ouais, bah surtout pas. Oh oui, d'accord. Malone, il fait quoi là? Mais c'est. J'ai mis à 43-3 de bébé. Ok. 43-3 en break balance. Putain. Je me rends pas compte peut-être que je l'ai pas mis assez à l'arrière là-bas. Hop, 43-3, let's go. Ça fait combien sur le dash de la Porsche là? Ça marque combien en vrai? C'est, t'es à moins 6-7? Ouais. Oh, attends. D'accord. Moins 6.73. Moins 6.73. Ah, okay. Catastrophique, découpe-le, mais non, mais on va pas le tuer, mais bon. Non, mais on est pas en open lobby, les gars. Il y a un mec qui a dit casse les couilles, ah. Oh là 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 là, un vrai avis sur GT7 STP. En vrai, il a l'air stylé de fou. Ah, de ouf. Est-ce que tu penses que je peux dire. Est-ce que tu peux dire quoi? Oh, oui, en vrai, on peut le dire. Bah, l'embargo est levé, non? Cette semaine, oui, l'embargo est levé. Non, mais je veux dire que cette semaine, on a été invité à une. À la conférence de presse. À la conférence de presse en avant-première et tout. Je ne suis pas venu. Bref. Ah bah, il y en a un, il s'est pas réveillé. Moi, je me suis tapé du japonais à 9h du mat, autant vous dire que ça réveille. J'étais réveillé. Comme j'ai dit dans la cour, j'ai dit, Pierre-Olivier, nous fera un récap. Oh putain, mais le culot du gars! Le culot! Il y avait Pierre-Olivier, il y avait mon ami, je comptais sur mon ami pour me faire un récap. Ok, je comprends pas les trages, mais très bien. Bah écoute, y a plus qu'un, hein. Vas-y, on va réessayer. Post Malone. Spin. Il est à moins combien, on a dit, Jimmy? Moins 44 combien? Il est en 43-3 et ça fait 6,60... moins 6,73 sur le dash. Je vais le doubler, mais je vais 43. Le mettre dedans. Okay. C'est ma chance. Oh! Oh, j'ai failli faire Romain Grosjean. C'est toi là qui sonne avec ta belle caisse en or là? Absolument. Excuse-moi de dire ça, Van. Hein. De ouf. Oh, pardon. Sorry, my bro. Ah, Matt, il est en train de lire son chat tranquille, il se rend pas compte qu'il bloque un petit rookie tout à l'heure. Un petit rookie depuis tout à l'heure. T'avais été mal à la tête, tu vois. Il veut juste s'entraîner. Il est bloqué par un pilote professionnel là. Extrême, mais ça va bien m'arranger finalement. Mon dieu, hein. Matt Malone, il a moins 6,98. Ça veut dire qu'il est encore plus bas, il est en ouais, 43 donc, en fait, on est vraiment. Voilà, sur l'avant. Ouais. J'adore ces gingiers, on se croirait chez McLaren en 2007. Ça va espionner les équipes d'en face. De ouf. Bon, alors j'ai bloqué le train arrière, hein, donc du coup, pas de problème. Il est chaud, hein. C'était quoi ce. Je m'avais décidé. Il y a un truc que je dois pas faire. Rouler peut-être. Ouais. Là, mais en fait, je pense que je suis lent absolument partout. Il n'y a pas. Oh, plus je spin. Super. Il n'y a pas une. Oui! Dégage! Matt! Let's go! Un peu de champ libre! Matt n'est plus là, c'est bon. On va pouvoir rouler. Donc faut faire attention quand les pneus sont pas chauds et pas en tempête, hein. Le rétrograde vraiment à bas régime. Ah, il tombe toutes les vitesses une fois qu'il a freiné. Le karma sévère que j'ai pris. Chez. Salut mon pote. J'ai perdu mon talent, mais totalement là. Maman, le karma direct que j'ai pris.
Les gars, soutenez-moi un petit peu, j'ai besoin de vous là. Bonsoir, non. Là, on est à. Canan, il est en 5,50. Non, mais Tony Canan, on va pas s'inspirer de lui, ok. Ah, mais alors, Tony Canan, il a gagné de l'Indy 500, d'accord ouais, déjà, Tony premièrement. Canan, c'est pas le même. Après, okay, j'ai regardé. Je pense à 43,7, je pense. 43,5, c'est pas mal. Oh, y'a Pierre-Jean, Pierre-Jean, mon meilleur ami, ça va, Pierre-Jean? Oh. Moi aussi, je veux danser avec lui là. Là, c'est l'heure. Ah. Oh, c'est 32 des pieds lots. Oh. Donc on est dans la merde. Chrono qu'on rigole. Hein? On n'est pas dernier, Pierrot. On n'est pas dernier. Attends, fais voir. Il y a un mec derrière nous, c'est bon. Il y a Atleta Book. Nous, on est 14 et 15. Bon, c'est pas forcément une fierté, mais. Ah, mais si en vrai, si on fait un bon tour, on se met au niveau de maths, en vrai, gros, c'est sûr. Si on fait un bon on tour, on peut ouais, trouver bah... une seconde. Mais si, on a l'essence. Quoi, l'essence? Oh oui, l'essence. L'essence. Mais non, on peut rien faire, on gros. Le setup. C'est fixed. C'est fixed, on peut rien faire. Je sais même pas où c'est l'essence. On peut rien faire, on peut rien faire. On peut rien faire, on peut rien faire, on peut rien faire. Qualify. Bon allez, c'est l'heure de qualify. En fait, c'est si tu veux pas faire la qualif. Ah mais on est tous ensemble là. Ouais. Va falloir gérer le trafic en plus. Ouais. Va falloir gérer le trafic en plus. Ah, l'ingénieur Ferrari qui sommeille en toi est en PLS. Ok, Sébastien, Carlos Bianchi, 2.5, 2.5. Ah, attends, putain, il m'a remis la. Ah, c'est ça. Ah, mais oui, c'était amusante. Je suis con. Je sais pas, il y a qui. Enfin, qui est. Bah, du coup, il y a rien, mais. Ah, like. Non, non. Je sais pas qui c'est qui est arrivé, de... qui n'était pas là l'année dernière, je veux dire. Bah, Altea, mais. Altea, pardon. Mais après, je sais pas qui est. Balance de frein. Oh, oui, bien vu. Ouais. Bien vu, les ingénieurs, bien vu. Bah là, là les gars, là le chat vous êtes notre pit crew là. Là c'est le pit chat. Là. Dites-vous que là on est parti pour 10 semaines, enfin 10 semaines, 10 courses du PSC. C'est ça. On va le faire ensemble, d'accord. Une semaine sur deux on va se retrouver. Pour faire la mission collective. Où on va tous réussir ensemble, d'accord. Post Malone il se passe. Arrêtez de l'appeler Post Malone, c'est Matt. Arrêtez de l'appeler Post Malone. 5,99 pour Emery. Bon alors Emery elle vit la tête en bas la pauvre, elle est australienne donc 5,99, mais dans quel monde? Dans quelle heure elle vit avec moi? Quoi? Ah 47 si j'ai une heure, vas-y. Allez let's go. Sub goal, je m'entraîne pour le PESC. De ouf. Gros je me suis pas entraîné, d'habitude je m'entraîne toujours un peu. Bah, j'avoue toi t'as toujours au moins quelques tours sous la ceinture. Ah bah là j'ai absolument rien sous la ceinture là mon pote. Là c'est vide hein. Tu sais que j'ai acheté le circuit après. Ah bien joué. Mais pourtant on avait roulé l'année dernière dessus non? Bah oui. C'est pour ça que je comprends. Ah pas. Mais si parce que l'année dernière quand on a roulé dessus c'était pour en avant-première pour les nouvelles Porsche. Oh. Ah bah voilà ça m'apprendra à bloquer le train arrière hein, voilà très bien. Je vais te gêner dans ton tour, frérot. Je refuse d'être dernier, gros. Il est où? Il est dans mon rétro. Laspi, Raboul Laspi. Ah, casse-toi. Raboul Laspi. Je vais zigzaguer. Max Verstappen. Raboul Laspi. Ah les guignols. Oh putain. We need to play the team. Ça fume dehors. Et les barres, qu'est-ce qu'il branle avec sa voiture Flash McQueen là? Vas-y passe mon gros. Elle a un petit flow ta voiture quand même. Ah bien sûr qu'elle a un petit flow gros. C'est quand j'ai une livrée de base, j'en aurais assez hein. Pas les sous de faire une livrée de base. Ah bien joué du talent. Ah bon. On aime le risque ici. Prise de risque 100%. Parce qu'il va faire une connerie. Je sais pas, on a combien de tours? Ah oui, on a déjà 12 minutes. Je sais pas si on peut enchaîner les tours en fait. Bah si. Non mais je veux dire pour les pneus et tout genre. Bah on enchaîne les tours mon gros. Allez salut. Vous êtes combien là au premier tirage? Il y a un parking. Il y a un
parking, frère. Il y a Tony qui arrive. Tony, évite-moi! Tony m'a évité, on va reculer vite fait, bien fait. Hop. On va s'enlever du circuit. Alors, j'ai un autre problème actuellement, c'est que j'ai fait tomber un bouton du fan attack. Ah! On va rester là pendant 2 secondes. On va ramasser le bouton fan attack qui est tombé. Le bouton fan attack qui est tombé. Bon, on n'a pas ramassé le bouton fan attack qui est tombé. J'ai un bouton, il est tout nu là. Non, oh non, je l'ai cassé! Non! Chez! Fan attack, c'est donc la merde. Chez! Oh bah attends. Bah alors, il est bon. Oh putain, c'est vrai, bon, c'est même. Enfin, déjà, ma palette elle bug, à tout moment tu vas m'entendre hurler sur la palette. Hein. Parfait. Vraiment. Ça, on adore. J'ai cassé le bouton de gauche, de droite, pardon. Mais t'avais pas reçu un nouveau fan attack toi? Si. Bah allez, je l'ai pas sorti encore, il est sous dans la. Ah d'accord! Sous le bureau là. Ici, on collectionne les cartons. Hein. Ah bah, t'as qu'à venir dans mon nouveau bureau, tu vas avoir les cartons. Prédit top 15, frérot, on est que 15 sur la piste. Ouais, bah prédit top 15, moi j'aime bien. Hein. Prédit top 14. Et on parle pas de rugby. Bon, je suis 11ème pour l'instant, tout va bien. Prends le volant à San Martin. Ouais, le truc à 4000 euros. Ah d'accord. On vend 2 poumons, 1 rein, ta colonne vertébrale et t'es pas sûr de l'avoir. Déçu par Fanatec. Ah ouais, qui a été déçu par Fanatec dans le chat? Oh, je suis P9. Let's go. Voilà. Scandaleur. Ouais, Fana c'est bien, mais genre entre les stocks, si tu veux racheter un truc. Ah, pff, les stocks. Des petits boutons. Mais vraiment, Fana, genre, est-ce qu'ils font pas du dropshipping à un moment donné? Ah ouais, je suis déjà posé la question. Trop cher pour la qualité. Ouais, franchement, il y a des fois. Ouais. Je sais pas où c'est tourné, putain. Après, si tu prends l'élite, enfin vraiment le haut de gamme de Fana, c'est pas trop cher pour la qualité parce que c'est une qualité de fou. En fait, bien, vous avez fait un attaque, je suis d'accord que c'est un peu dur. Fait combien en chrono? Je sais pas. Super. Là, je suis en concentration maximale. Tiens, je suis dans la zone. Il y a du Crossmaster dans le chat là. Et je remercie mon sponsor, Crossmaster. On les embrasse. On les embrasse évidemment. Moi. Il y en a masse. Bah ouais. T'as bien raison. Je suis sponsor par personne, c'est ce que je veux. Allez, plus vite. Ah non, j'ai pas envie d'y aller. Crapouse de pouce dans l'entrée. Ah, et bah ouais. Fuck. Bon, P10 les gars. J'ai fait quoi? 41.1. Il est vite bâtard. Ah bon, là à un moment donné 41.1. Il suffit de se sortir les doigts et hop, le talent il revient. 41.3. Oh là 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 là. Et ce virage, faut que je freine aussi en bout dans le mois. Bah non, l'autre aussi il va à fond, il fait des conneries. Je suis qui? Moi je suis Pierre-Olivier Valette. Des pieds locales. Il y a une autre marque de volant que Fanatec, Thrustmaster, Logitech, P1Sim. La P1Sim. Ouais, c'est un volant que j'ai testé à l'image. Incroyable. Alors, incroyable. Incroyable. Est-ce qu'il te fait aller plus vite? Le mieux que. Je sais pas, mais il te rend plus heureux en tout cas. Oh, ça a tapé pour Emily Jones! La tête à l'envers! Pour la jeune Australienne! A calé une fois en Formule 1, notamment. Daniel Ricciardo, le crash de le pilote australien qui a la tête à l'envers, comme chez lui! Bon, alors on va rentrer au stand. Non, je vais faire un box aussi en vrai.
En fait, je sais pas combien de tours je peux faire sur le même train de pneus sur la Porsche. Les pilotes, tu la roules toute l'année, toi, tu devrais savoir. Bah, oh, je suis pris off track, putain. Fuck. Exclamation off track dans mon chat. Ah, d'accord. C'est parce qu'on est peur. Ah, ouais, mais en fait, on fera tellement plus tard du coup quand on met la balance de frein à l'arrière. Ah. J'ai essayé, c'est pas passé. Petit décalage image son. Un peu en avance. Dépiélo est un peu en avance par rapport à la cam. Comment ça, Dépiélo est un peu en avance par rapport à la cam? La, ma vidéo. La cam. Ma cam? T'es censé être dans la cam. Nope. Nope. Sinon il enlève la source, il enlève le auto et il met à 80. Le son micro est un peu en avance. Ok. Ah ouais, ok. Ouais, il y a un petit souci sur la cam. Ouais, ouais, bon, écoutez, hein. Oh, j'ai spin. Un chouïa, mais pas grave. Ok. Il reste combien de temps? Ah, il reste une minute. Demi-seconde. Non mais vous vous rendez compte ce que c'est, une demi-seconde? T'es pilo, c'est ton dernier tour, il reste une minute par exemple. Bah yes. Bah je partirai pénis. Juste derrière Jimmy Broadbent. Oh non, oh non. P12. Oh là 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 là. On est pas heureux. Attendez le chat. Je suis pas dernier, je suis P12, je suis pas dernier du coup. Il reste combien de temps? Ah non, j'ai un dernier tour. Il reste 50 secondes, j'ai un dernier tour. Je veux prendre du slip 9, bah si. Bah non. Sur la piste, hein. Je pense mais... que le drapeau a cut. Bah peut-être, ouais. Ah, il nous laisse un tour, non? On verra. Allez, à Jacques Thaïs. Est-ce qu'il nous laisse finir le tour ou pas, les pro racing dans le chat? C'est mon stop avec l'off-track, on a compris les points. Ah non, on n'a pas le temps. Ah yes. C'est super plaisir. On va faire semblant. Comme ça, si je suis en avance, je pourrais dire j'aurais pu faire mieux. J'ai all-in dans le virage 1. Oh, j'ai all-in. J'ai fait all-in. Ce gros poker, là, putain. J'ai rien all-in du tout, je perds du temps super. Ah! Bah, j'ai all-in rien du tout. Voilà, et ben on finit là-dessus. Chez moi tout est ok, machin, non, vite fait, ok. Là, tu m'as mis 2 dixièmes, bâtard. 39-3, Rob, si t'es encore là, je l'avais dit, hein, ça allait rouler en 39, ça va vite. Hein. Genre 0-2, ok. À quand la F1 à Hockenheim? Bah, quand c'est que ça revient à Hockenheim? Parce que ça l'était avant. Yo, hello, hello, à ceux qui arrivent. Oubliez pas, les gars, vous avez la squad pour voir les deux POV en même temps. Ouais, ça a l'air pas mal. C'est dur, Pierre Jarre Racing. En fait, faut tryhard. Ouais, faudrait juste que je décale un petit peu la synchro, mais ok. Bon, en vrai 0-2, ça doit être pas grand chose. C'est quoi en gros? C'est ta voix qui est en avance sur ma voix est en avance sur l'image, ouais. Mais en fait, en fait je me dis, c'est que. Non, en gros, j'ai tellement bordélisé mon truc là. Va falloir voir. Bon, et bah, bon courage, mon bro. Hein. Oh mon dieu. Allez, sur la grille, oh, let's go. Grid. Ah, des images qu'on aime pas voir. Des images qu'on aime vraiment pas voir. Oh, là, oh là, des là, images là, là, qu'on là, aime là, pas là. Voir, les gars. Putain, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Oh là 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 là. Je me rappelle de mauvais souvenirs. J'avais spin au premier tour là, l'année dernière. Bon, allez, que tout le monde passe une bonne course. Le but du jeu, c'est d'aller au bout. Hein. On a quoi? On a 15 minutes de course. Ouais, là c'est 15 et après ce sera 25 sur la. Après, c'est 25. Tu sais que 15 déjà, frérot. 15 c'est loin. Non, 15 ça va. Non, 15 le relais ça va. 25, mais 25 ça va être loin. À la fin du relais sur le 25, ça va être très dur les poudins. Oh, putain, attends, comment on fait déjà? Oh putain, j'ai mis les. Oh les clutches, oh, clutch. C'est un standing, hein, ça parle. Hein. Le mec avait pas paramétré les clutches devant. Reste sur tes freins, frérot! Éviter déjà le massacre du virage 1, c'est pas mal. Oh, c'est qui? Attendez, il me faut le. Oh, Emily, vas-y, passe! Je suis galant!
Elle va trop vite pour moi. Fais l'inté. Ah mais t'es passé devant moi. Oh le bâtard. Oh, je vais te mettre un giga frein mon gros. Bouge pas, il y a 1500 mètres cubes déjà. Il est où là? T'es à gauche? Non, c'est là. Oui, non, on va essayer de suivre Emily. Allez, come on. On va se concentrer. Oh là 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 là, devant, comment ça se décale, what? Pardon, les trash que là. Oh là là là, mes pises. Tant que je reste avec le groupe de devant, moi ça me va, les gars. Vraiment. Vas-y, Emily, vas-y. Tous Emily, tous Lily. Allez, vas-y. Oh non, mais elle l'a pas bloqué. Oh non, bah non. Celle-là, elle est bloquée. Putain, j'arrive pas à rattraper Hydro là. Si, t'inquiète, je respire pour ça. Hola. Get Dola. Mais gros, mais alors, c'est incroyable. Au scandale, mais je pense que mon moteur il est bridé personnellement. Moi, je suis pas du genre à créer des dramas, mais Mikey, no, this is not fair. Je pense que les Français on a une voiture un peu moins rapide. Hein. Franchement, on a le droit à 15 minutes avant de. Ouais. Bah, ça va aller vite, hein. Ah ouais? Non, non, pour l'instant, j'en ai qu'un, mais ça peut aller très vite. Ouais, ça peut aller très très vite. Moi, je suis toujours à 0 pour l'instant. Donc, ça va. Aïe, 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 aïe. Je prends trop les livreurs, hein. J'essaie trop d'aller vite, là, mais. Au moins, j'ai un bon spectre. Oh non, Emily, what you doing? Emily, what you doing? Oh non, non! Tarzan, qu'est-ce qu'il a? Ah gros, je suis passé dans la trou de souris, mon bon. Oh là là. Oh, on a eu Tarzan, quelqu'un peut me clipper ça? Il y a des pit stops pas sur la première course, mais la deuxième non plus. Hein. La deuxième, c'est 25 minutes. Non, il n'y a pas de pit stop. Ouais, mais tu verras 25 minutes avec les pneus. Ah bah ouais, bah, je sais. Bon. Ah, bah. Non, y'a pas de sans toi, les gars, c'est 15 minutes. Très bien, ouais. Très bien, Jimmy et compagnie, mais. Trop vite, hein. Allez. Oh! Oh! Oh le boudin! Oh le boudin! Plus que 9 minutes, j'ai, okay, moi, j'ai failli faire la même chose, moi. Oh là là. Là, on a vraiment la pire position, hein, parce qu'on va pas marquer beaucoup de points déjà de 1. Ouais. Et de 2, on va être mal placé pour la course 2. Hein. On va être en plein milieu, s'il y a un accident ou quoi, premier tour. Allez.
pas gros, je vais t'attaquer. Mon DRS il marche pas aussi. Il est où le bouton du DRS? There is no DRS. There's no need. There's no need, Romain. Je fais mon max, les gars, mais j'arrive pas là. Ça gêne, c'est une odeur bizarre de coop. Je me satellise, je t'empoisonne. La dernière fois qu'on était dans une écurie allemande, ça s'est pas bien terminé. J'en ai un vite moi. Moi j'ai l'impression que t'essayes de me mettre une pression, c'est moi ou. De ouf. Mon rêve, j'ai l'impression que t'essayes de me déranger là. mais mon rêve, c'est le pire, tu sais quoi dans tout cet instant. C'est ça James qui revient là gros. Ouais bah ouais, mais. Pole position non. Pole position non. Non, my decision is the best. Moi je vois que tu mets beaucoup de pression. Oh, Sébastien Vettel, putain. Bon bref, il reste quelques minutes, t'as pas envie d'attendre un peu d'air? We'll see. Je fais que de slide. Bon, à deux doigts de faire une team au Glock là. Non, c'était pas Glock qui s'était mangé. Glock, absolument. Une rupture de suspension arrière gauche. Ah, d'accord. Attendez-nous, faites une safety car au moins, wesh. Qui ralentit devant, je crois. Pas les comment couilles, je vais te mettre un dive bomb. Un dive bomb. Un dive bomb. Putain, la spi par contre, mais pardon, la spi. Pardon. Non. Let's go. Non. Let's go. Non, Mikey, non, non, non. D'ailleurs, James, il a pas compris qu'on se battait entre Français. On voulait pas d'autres personnes. Ah, mais comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Moi, je rigole pas du tout, là. Faut rester un moment, une seconde pour avoir le DRS au prochain tour. Ding dong, your car is wrong. On active le DRS sur cette voiture. Voilà le train R. Oh le boule qui chamboule. Ouah ça va les tracks limites. Ah bah gros hey, tu veux qu'on c'est la limite. C'est la limite gros, c'est la limite. J'ai vu Michael Masi, il m'a dit que c'était bon. Personne Verstappen en 2021 de points. Ah d'accord. C'est la limite, c'est la limite. Là, si elle marche pas sur ma voiture à moi, je vais être énervé. Hein. Putain, ils sont à 4.2 là! Bizarre, j'ai pas l'air de bien revenir sur toi, mon rêve. Sur le casque, elle marche bien? Ah, pas de bol, hein! Salut, mon rêve! Quel enculé! Putain, je prends un deuxième ink! Le bâtard! Salut, mon rêve! Reste dans ta zone, James. Enjoy the show. T'as déjà pas payé les tickets pour voir le spectacle. Ouais, il est en tribune gold là quand même. Et puis, oh, je pense qu'il est bon. Il est pas loin du drame. Merde, on va rouler à l'extérieur. À l'aide de Clown Race, exactement. Putain. C'est un off-track stratégique, les gars, ça. C'est un off-track stratégique. On prend du gap sur le mec de derrière, on perd pas de temps sur PO. Oh,
reculer pour mieux sauter ça. This has been manipulated, man. Oh là là. Bon, ref, y'a pas d'aspi, hein. Je sais pas ce que t'as fait sur ta voiture pour avoir d'aspi. Oh, t'es à 0,5, t'es un peu loin. Moi, j'étais à 0,3 en vrai. Ah bah t'aurais pu, ça aurait été rigolo. Bof, l'accrochage entre français, hein. Et les deux français. Oh, blocage. Mama, mama le pneu gauche. Léo, oh. Tu te souviens, est-ce combien de temps dans cette course là? Ah, je sais pas, 5. 3 minutes. Combien? 3. 3. On sait que James va devenir raciste envers les Français après cette course. Oui. Et il a bien raison. Et il a bien. Et il a totalement raison, le ref. Il a fait Subia. Bon, ref, t'es pas super fun parce que là je vois que t'essayes de t'envoler. Allô? Ouais, mon ref, ça capte mal dans les nouveaux locaux. Allô, vous avez pas encore la radio off, radio off, no more radio. Ah, ok, mon ref, ça roule. Dernier tour là, quoi? Bah non, 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 bah il y a le dernier tour là, on est pas au white flag. On a pas eu bon, white par flag, contre, ce serait bien que tu te rapproches, mon bro. Ou alors, pas sur ce petit ton. James, 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 James. Il t'a bump. Oh, ah, c'est pas cool, James. James, c'est pas cool, voilà. Oh. Ah, ça passe pas. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire derrière, ils font là. On va te laisser passer parce que je pense pas que d'autres temps sera passé. Oh. J'ai pas mais vu. C'est qui l'arme seul, James? Je pense qu'il est raciste des Français, ouais. Mais attends, mais c'était Monsieur Muscle. James, c'est Gamer Muscle, en fait, je viens de comprendre. Ah, ah bah peut-être. Alors, vas-y, game sur un racing, je t'ai froissé sur Overtake, hein. Parce que moi, au moins, j'ai le mérite de dire que la plupart des gens dans ce lobby, je les ai froissés sur F1, hein. Donc, bon. Si tu peux me faire pisser dessus un jour, hein. Génial, c'est comme si... En fait, c'est comme si Guidro, il disait qu'il avait gagné la Race of Champions face à tous les champions du monde. Mais que derrière, il faisait absolument rien. Oui. Tu as gagné la Race of Champions? Non, voilà. Je connais Brett Bottas. T'as le trophée, toi? Oh, là, white flag. J'espère que James va te sortir. Hein? Quoi? Hein? Quoi? Comment? Off-track, allez, on l'adore, c'est la maison off-track. Gamer Muscle, si je te chope! C'est le white flag, hein, si jamais t'avais pas vu mon rap. Bah ouais, ouais, je sais. 0-4, c'est pas bon pour la team. Moi j'ai gagné l'Indy 500. C'est vrai que t'as gagné l'Indy 500, moi. Tu peux en être fier. Et j'ai fait aussi le podium l'année dernière en l'Indy 500. Ça va, le suçage de bits? Hop, pas tout de suite les grands mots. Oh, y'a Tony Cannon derrière toi. Vite, vite, vite. Comment finisse. Tony, laisse-moi vivre, j'ai toujours adoré ta carrière. Tony, non! Tony, c'est le nom d'une brute à l'école. Ah bon? Les brutes au collège s'appelaient Tony. C'est plutôt les parrains de la mafia, généralement. Mais... Bah, ils sont bien passés au collège, les parrains de la mafia, non? Bah, bon. Peut-être. Tony. À le mettre dehors, j'ai hésité à le mettre dehors et je me suis dit ce serait vraiment de la zone de le sortir, mais j'aurais dû, je regrette, j'aurais dû le sortir. P9, come on baby, j'aurais dû le sortir. Pourquoi je suis pas Verstappen?
Putain. Maqué. Maqué. Mais je vais voir mon copain. Putain, elle allait le sortir. Ah, ta voiture, comme elle est jolie. Ah ouais, elle a un petit flow. 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 Putain, bon. Les sensations de vitesse sont éclatées. Ah, ça, c'est la GT, les gars. Ça, c'est la GT. Ah, bah, viens conduire, ouais, tu vas voir si c'est éclaté. Il est fou, lui. Donc là, du coup, on a un warm-up et on a une course de 25 minutes maintenant. Grille inversée, ce qui veut dire que... Ta-da-da-dam, ta-da-dam, on part 6ème. Derrière Tony Kanaan, Despiello, il partira 8ème. Emily Jones devant. Oh, il y a Emily devant. Bon, Emily, je pense qu'elle va gagner avec Tony. Et là, ils vont s'envoler. Grille... En vrai, ça va, les gars. Hamilton a tweet. Ah, Hamilton a tweet. Hamilton a tweet. Hamilton a tweet. Il a tweeté quoi? Il a tweeté quoi, le quiz? Putain, va falloir que je modifie ma vidéo de lundi, sa mère. Il aurait pas pu attendre un peu plus? Aïe, 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 terrible. Il lui prend quoi, là, ça y est? Je vais te dire, il a tweeté quoi? I've been gone, now I'm back. Ah, ça veut dire que Michael Masi ne sera plus... Aïe, 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 aïe. Now I'm le back. Le retour du roi. Hâte, hâte de voir qui va se faire froisser par George Russell, du coup. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, imagine. Il a tweet du kit. Il a un giga sourire sur la photo, j'avoue. J'avoue que là, il a trop un sourire. Attention, hein, s'il arrive à Bahreïn et qu'il a pas une bonne voiture. Enfin bref, c'est encore un autre débat. Mais, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et il a posté sur Insta aussi. Quel roi. Michael Masi est donc viré. Il est pas encore viré, mais... On sait pas, mais c'est une question de temps. La FIA veut pas nous le dire, mais ils nous le font comprendre pour l'instant. Bah, warm-up, hein. Il n'y a pas de warm-up à faire, mais... Putain, non, mais c'est terrible, ça. Gros, je tourne une vidéo hier avec les actus de l'hiver, machin truc. Si genre, lundi soir, Michael Masi est viré et qu'Hamilton a parlé, là, franchement, là, on va pas être potes, hein. Mais c'était pas l'année dernière, déjà, que t'avais sorti une vidéo, genre... Mais si, à chaque fois que je sors des vidéos, on une vidéo le lendemain, là, c'est bon. Putain. Et oui. Oh là là. Ah là 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 là, retour de Jacques Villeneuve en F1. Retour de Jacques, putain. Oh, oh putain, je suis crevé en plus. Par contre, moi j'ai un décalage de son. Moi j'ai un petit décalage de son, les bros, dans le casque. Avec le jeu? Ouais. Je sais pas si c'est pas mon Elgato qui fait de la merde. Merde. Ça dure combien de temps le warm-up? Une minute là, même pas. Là il reste... Non, ça dure 5. Non, il reste 2 minutes 14 de warm-up là. On y va. Et on enchaîne directement. Pam pam. Lewis est revenu sur Insta, il est revenu sur tous les réseaux. En fait, il a fait le même post sur tous les réseaux, les gars. Now I'm back. Lulu. Pourquoi j'ai un décalage de son, moi, dans mon casque? Moi, j'attends la première interview quand même de Lewis Hamilton. De ouf. Parce que c'est trop facile de dire. Moi, je pense qu'il a des comptes à rendre. Moi, je veux voir la première question qu'on va lui faire. Votre avis sur Abu Dhabi? Est-ce que Michael Masi doit être viré? C'est ce genre de question que je veux voir, moi. Oh là là. Oh là 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 là. Mon dieu. Qu'est-ce qu'ils font dans mon chat là? On se calme? Vous utilisez les pneus soft en warm-up? Gros, je me pose ces questions. Mais de ouf. J'utilise la voiture, basta. Warm-up, de toute façon, c'est pas les mêmes pneus pour la course. Pam 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 paralam. Je sais pas pourquoi j'ai un décalage. Ah ouais. Là, en vrai, j'espère que Mercedes ils auront une voiture aussi bonne que cette année, mais pas plus, tu vois. Trop le seum s'ils ont une voiture qui domine l'année prochaine, vraiment. Ah putain, ouais, donc vous avez pas de décalage, mais moi j'ai un décalage dans le casque. Ok. Intéressant. Alors, mérité, hein. Dégage. On va juste apprendre qu'il est de retour sur les réseaux. Non, 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 je pense qu'il voulait dire qu'il est de retour tout court. Hop. En vrai, ça aurait été tellement stylé qu'il fasse son retour pour la présentation de la voiture. Bah, de ouf. Là, il a merdé le petit Lewis. Non, en vrai, c'est bien, ça lance la hype. Parce que du coup, c'est semaine pro, je crois. Ouais. Dans deux semaines, je sais plus. Non, dans deux semaines. Il a pris 6 mois de ban à Zubalex. Allez, hop, dehors. Aïe, aïe, aïe. Ok. Okay. Are you ready? Pas du tout. On a 15 secondes. Tu pars derrière moi. Attention si tu me sors, hein. Je vais te choper, hein.
J'ai un vrai... Ok, bon, bah je sais pas, j'ai un décalage de son dans mon casque, mais bon, c'est relou, mais on va faire avec, hein. Mais il est violent ou t'as genre... Ah, j'ai pas loin d'une demi-seconde, je dirais, ouais. Okay, ouais, ça, c'est un petit peu pas tout, c'est pas top top top. Ah, ouf, ouais. Mais en vrai ça va le faire, ça va le faire. Pas de... Ok. Pam pam pam. 6 mois il a fait quoi? Pas grand chose mais il le méritait. Ah d'accord. The Pillow It's Time 20... Oh c'est lourd, 25 minutes. 25 minutes. Là ça va être très très long là. Fais voir un petit peu là, on part P8 devant Jimmy, Javier. Oh là là, putain, oh, ça va être terrible. Non, mais vraiment, ça va être terrible. J'ai peur, c'est quand on va arriver à l'épingle qui vont être 3 de front derrière moi. Et oh là là, putain. Décapité, bon. Frère. Oh là là, les avions derrière moi, laissez-moi tranquille, c'est bon. C'est petit chat là, c'est bon, allez. Gros dive sur Tony, mais non, mais jamais, jamais. Y'a pas de pit stop. J'ai fait un bon départ. Décalage dans l'audio, putain, c'est relou. J'ai Théa. Théa, Maxime. Oh putain! Oh! Oh, je t'ai pas touché, mon bro, mais terrible. Sorry, mon bro. Je vais hurler. Non mais les gars, faites pas trop de fond. Je vais hurler. Oh non, le pauvre Jardier. Je vais hurler. J'ai touché le clutch. Je crois que j'ai retouché le clutch. Je vais hurler. Alors, on en a vu des départs catastrophiques, mais alors celui-là, il est all-time. Hein. Non. Je m'attends pas, non, mais gros. Je m'attends pas, non. C'est là, pas y a des drôle, arrêtez à saisir là. Arrêtez de rire, le chat, c'est pas drôle. Si, c'est pas drôle. Je crois que j'ai retouché. Oh le clutch. Putain. Oh. Oh les cons. Non mais ils sont mis. Oh non, j'ai appelé. Oh. Ah bah pas de chance alors. Non mais j'aurais dû se mettre dehors à la sortie de l'épingle. Ouais, je m'ai attendu. Putain, mais non. Mais c'est une blague. Pour 20. 25 minutes, mais c'est une vanne! Je vais aller les gars un petit peu avec Jardier du coup. Genre, moi je passe au stand. Pas. Je passe au stand, on a les quick repairs. Bah oui. Bref. Attends, gros, j'essaie de garder la voiture sur la piste. Oh, oh non. Avance gros, mais je fais ce que je peux, mais moi j'ai le volant à 90 degrés gros. Putain. Tu passes ouais, stand si au stand. Je vais voir, je sais pas. Je fais un tour pour voir ce que ça donne, mais je pense que je vais rentrer au prochain moi. Oh là 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 là. Est-ce que quelqu'un peut regarder le clip et me dire si j'ai touché le clutch? Parce que je comprends pas pourquoi la voiture d'un seul coup elle a... Quand j'ai eu un départ de merde, j'avais calé. Et après elle a fait brrr, et là elle a rebondi genre. Je sais pas comment l'expliquer. Ah, c'est bon, allez, let's go. Cette honte pour la France. Bah, écoutez, on fait ce qu'on peut, les gars. On fait l'animation, hein. Au moins sur le live, ça a dû créer nos blazes. Hein. Je suis sur le coup. Un léger coup de clutch. Ok, je vais arrêter tout à l'heure. Bon, bah, désolé. Désolé à ceux qui m'ont tapé. Mais en vrai, je crois que tout le monde m'a évité, non? Ouais. Bah, t'étais en juste vrai, devant moi, gros. Et d'un coup, genre, je te vois partir à gauche. Et je fais. Oh là 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 là. Ah mais je sais que le clutch était censé le garder, mais je l'ai lâché d'un coup là, j'ai eu mauvais réflexe. C'est que je l'ai lâché d'un coup, c'est les réflexes F1 2021 ça. J'ai tellement envie de voir ce que ça a donné sur le flux du PVC. Ça a pu être incroyable. Le spin au départ, elle est là. Hein. Putain, j'ai Ouais. Elles vont être longues les 25 minutes. Ouais, hein. Très très bon. Du coup, Lewis Hamilton, vous en pensez quoi? Je vais contrôler la clé d'arriver à gauche. Je vais réengager la clé. Ah, c'est bon, ça. J'ai paniqué, désolé.
Non. Bon, allez, pneus froids. Frérot. Oh, bah alors là, c'est peut-être. Oh, moi, retour d'Hamilton, l'OMG, Leclerc, Hamilton, Verstappen. Le titre se joue contre qui et qui pour vous? Parce que là, du coup, bon, on va faire cette course, on va parler, hein. Tu veux que je me mute ou... Non, non, mais de toute façon, je suis dans le même état, gros, je suis P14. Oh, merde, pareil, P15. Ouais. Bah, attends-moi, t'es à 30 secondes. Au pire, je vais boxe, attends. C'est le prochain. À la fin de ce tour, je boxe. Moi, je pense cette année, le titre, il aura fait paix dedans. Ah, ouais, c'est il a posté. Le décalage de son, il est en train de s'accroître ou pas dans le casque là? C'est quoi ce bordel? T'es en plein écran quand j'espine sur la DPSC. Oh, oh mon dieu. Bravo. Tout ça pour se faire remarquer comme d'hab. Ouais, bah ouais. T'en faisant n'importe quoi qu'on vient n'importe où. C'est vrai. J'espère que c'est une blague. Chacal, c'est pas ce que tu penses, Chacal. J'essaie de me distinguer parmi les autres pilotes, Chacal. Ouais. Bah, y a des distinctions bonnes et des distinctions moins bonnes. Une distinction est une distinction. Ah putain les gars, non, ça c'est chiant là pour 25 minutes, putain, entre un crash, un arrêt au stand et un spin là, on est dans la merde. T'es où, t'es loin? Ah bah je suis 15. Je fais boxe moi, mais t'es à 27, ouais, bah ça m'aurait pas mal là. Moi je pense cette année, ça va se jouer entre deux teams, mais il y aura une troisième team qui va foutre un peu la merde. Ah je pense que Ferrari va revenir. Moi je pense que ça va jouer entre Fefe et Mercedes. Je pense que Red Bull pourra genre jouer des wins et tout, mais ce sera pas assez bon pour jouer le titre pilote. Je boxe un point fort. Ouais, je me dis, bah, fait, en fait, je les vois vraiment bien. Fait, tu vois, je sais pas si c'est parce que je suis fan ou pas. Je suis vraiment bien confiant pour eux. T'as un feeling ou pas? Ça va, c'est un rasta. Je sais pas qui. T'es pas loin, oh Jardy il va me détester, il va me revoir Jardy, il va péter un câble. Ah ouais, c'est 8 secondes. T'es encore loin? En vrai, je suis à droite t'attendre. Je bon. Ah ça y est, je te vois au fond de l'écran. Bon, roule tranquille, je vais te rattraper. Ouais, je vais laisser passer Jardy en vrai. Je pense que Red Bull va couler comme en 2014. Ah ouais? Leclerc jouait le titre. Ok, si je mets pas Newey. Non, c'est pour ça que Newey, en fait, je pense qu'il peut faire un bon truc. Mais. Non, on nous dit première victoire de Norris cette saison. Ouais. Franchement, why not, hein. J'ai envie de dire, même il serait temps parce qu'il a eu l'occasion cette année. Hein. Ouais, non, cette année, c'est notre année depuis 2009 pour Ferrari, mais. Nouveau moteur. En fait, je pense que les gens, arrivent pas à comprendre que là, 2020 et 2021. On n'avait pas eu, si on n'était pas reparti à zéro sur un moteur, on aurait été compétitif, tu vois. On a toujours eu un bon châssis en soi. C'est juste que 2020, on avait un moteur de chevaux, tu vois. Il y avait le châssis qui n'était pas au top pour plus en 2020. Là, parce qu'il était adapté au moteur. Ah oui. Alors, tu vois, c'était pour compenser la perte du moteur. Ouais. En même temps, qu'il y a l'idée de faire un moteur illégal. Alors, d'ailleurs, ça, on va pas en parler, mais donc, c'est vrai. Bref. Oh. Et pourquoi un moteur illégal chez Mercedes, c'est fou? Non, il a jamais été illégal. Il a exploité des zones grises de certains règlements à certaines années. Jamais été illégal. Ah ouais? Non, comme quand. Au début de la hybride, c'était pas Dilou, il avait fait une interview, je sais plus c'est quoi le journal. C'était Beyond the Grid. Bah, il disait qu'il tournait pas, il mettait jamais le mode attaque, full attaque, parce qu'en fait, ils avaient peur que la FIA soupçonne des trucs chelous, tu vois. Oh, je suis à 7! Aïe! Je t'attends. Hamilton de retour, oui, on a eu. Et du coup, genre, tu repars à zéro avec le moteur. On va faire une bonne voiture, c'est pas possible, tu vois. Fucking is back. Non, tout le monde est content. Qui est content là de revoir Hamilton là? Tout le monde est content, gros. Enfin. On va pouvoir remettre des stories. Moi, maintenant, j'ai une question. Oui. Quelle pénalité pour Lewis Hamilton pour avoir séché le gala de la FIA? Ah, ça c'est work in progress, hein, la FIA ça. Parce que je veux pas dire, mais ça inscrit dans le règlement d'être présent. Bonne amende. Est-ce qu'il y a une amende?
bonne amende de 50 000 $ quand t'as pas de pitch. En vrai, oui, techniquement, c'est inscrit dans le règlement, donc bon. Faut juste trouver une pénalité, enfin une sanction. C'est quand même rigolo ça. 135 €, 3 points. Pas mal. Non, mais oui, c'est obligé en fait. C'est pour ça, moi je pense que c'est juste pour la forme en fait. Je pense que t'es obligé de mettre une sanction Hamilton juste pour la forme, oui. Tu vois. Non. Tu mets un petit truc, gros, tu mets 5 000 $ ou rien comme ça et c'est bon. Parce que c'est obligé, donc si tu te plains, enfin tout le monde se plaint que la FIA, les règlements, tout ça, tout ça. Bah, si on commence l'année, il y a qui c'est des conneries pareil. Non, techniquement, Max n'aurait pas dû gagner. C'est fou. C'est beau, mais sûr. J'aimerais bien savoir ce qui se cache sous le techniquement. Wait, non, je m'en fous. Techniquement. Puisque toucher un aileron, Max a dit qu'il fera un dîner avec les 50 000, Hamilton n'est pas venu. Mais c'est une blague. C'est vrai. C'est rien. Ouais, c'est rigolo ça. C'est une blague. Sur ce point, Verstappen et Hamilton allaient faire un dîner avec les filles à l'époque. Hein. En vrai. Faire les cousins. Écoute. Moi, la question que je me pose en tant que fan de Ferrari, quand même, c'est en interne entre Sainz et Leclerc, si on a une bonne voiture, comment ça va se passer? Non, moi, je pense que ça peut, bah, ça peut très vite dégénérer. Ah, ouais, je pense aussi. Hein. Parce que là, ça a tourné avec Jeddah déjà. Jeddah, Sainz commençait à gueuler parce que l'autre il l'avait doublé, le poussé et tout. L'autre. Ouais, bah, ouais. Leclerc est bien meilleur en vrai. Leclerc est meilleur. De loin, je pense pas, tu vois. Sainz, il est quand même. Je trouve qu'il est très complet par rapport à Leclerc. Leclerc, il a des phases où il fait nimp. En fait. Ça, c'est... ouais, mais genre, ça, c'est la jeunesse, tu vois. Sainz, non, maintenant, c'est un pilote de 4 ans. Quoi. Ça, Leclerc, il a 4 ans en F1 déjà. Il n'y a plus de jeunesse au bout de 4 ans. Pour... ouais. Donc, je pense que Leclerc serait devant. Mais en interne, je pense que ce serait très très chaud quand même. Hein. Leclerc est plus clutch player, je suis d'accord, Flavin. Remake de 2019, non, 2019, Leclerc il avait hâte de viser Vettel. D'ailleurs, hein, on rappelle Vettel qui a perdu contre un pilote e-sport cette année. Ah ouais? Ah, Lucas Blackley, la voiture à la retraite. Oh, aïe aïe aïe! Ah non, aïe aïe aïe! Oh, Lucas. Toujours un peu mal, hein. Allez, allez, merci le blanc pour le sub. On a presque fait la moitié, Pierrot. Ah ouais? Oh putain. Ah, c'est pas la course qu'on espérait, hein? Ah bah là, non, pas du tout. Moi, ça démarrait pas trop trop mal. Je me suis pris un tri-wide de l'enfer là. En plus, ça démarrait pas trop. Bon, il s'est fait battre pour 80 000e. Oui, non, mais c'est juste pour la vanne. C'était, je crois que c'était Digrassi à l'époque qui s'était fait battre aussi par. Enzo Bonito, je crois. Ah non, Bonito, ouais. C'était fait battre Digrassi à l'époque. Ah, Digrassi, ça avait fait. Bon, alors là, bon, en plus, c'était. Lui, il vannait le sim racing et tout ce bâtard. Ouais, il vannait bien le sim racing, gros. Ouais, ah, bah, ça lui a bien fait séparer le sim racing et le vrai sport auto et tout. Allez, hop, hein. Porte de battu, mon bon, hein. Non, moi, quand ça l'a jamais démarré en effet. J'attends mon collègue là. Ouais, bah je fais ce que je peux avec mon son décalé de ouf là. Atkinen s'est fait battre par Chadwick. Après Chadwick, elle est en activité normale. Atkinen, ouais, mais bon, Kai il a une expérience quoi. Ouais, mais bon. Chadwick, le palmarès, ça reste de la W16 quoi. Si en formule régionale, W16. Bon. Double champion de la W16, Chadwick. Oh. Maman. Il va vraiment falloir que je résolve ce problème. Leclerc comme un génie en vrai. Ah, oh, quand même. Pourquoi on parle de Leclerc comme un génie? Oh. Il a quand même prouvé, je pense, non? Je ne connaissais pas d'avant Alfa Romeo. Alors F2. Alors Charles Leclerc, est-ce qu'il a prouvé qu'il était un génie dans les catégories juniors? Oui. Oh oui, Alpha oui. En F1, Alpha. Il lui manque encore un peu d'expérience et de. Non mais il a le talent quoi, il y a le potentiel. Tu veux, alors il y a le potentiel, oui. Ah, il est pas. Non mais je suis d'accord qu'il a pas rempli. Il a pas encore rempli toutes les cases.
mais il est sur le chemin. En F2, en fait, en F2, il a explosé littéralement tous les records. Que ce soit de pole, victoire, pole consécutive, victoire consécutive. Il y a une course à Bahreïn où il remonte et il double tout le monde avec un pit stop. Enfin, c'est n'importe quoi. GP3, pareil. Incroyable. Alpha, il a explosé. Alpha, il a fait une très très bonne saison pour une Alfa Romeo. Ferrari, il arrive en 2019, il bat Vettel, il fait enchaînement de pole. Il enchaîne des wins, enfin il en fait deux et il en rate quelques-unes. Il aurait pu en avoir plus en vrai, si je pense à Bahreïn, etc. Je pense que Charles a prouvé qu'il avait le talent, qu'il avait le niveau, le potentiel et tout. Maintenant, je suis d'accord, il y a encore des trucs qui sont pas suffisants. Bref, Non mais tu sais, non mais gros, là j'ai un décalage de son, il est infernal. C'est pas grave. Ah ouais, ouais. En fait, je pense qu'il grandit au fur et à mesure que le stream avance. Je comprends pas pourquoi. Ah, c'est possible. Crash des voitures. C'est aussi le point faible de Charles, c'est qu'il est un peu trop agressif et des fois il fait un petit peu trop d'accidents, je pense. Charles, il y a des moments, hein, il a cassé de la voiture l'année dernière. Ah, l'année dernière, ouais, il a explosé des voitures. Mais bon, yo hello, là de ceux qui arrivent. Ah, j'ai le seum en vrai d'avoir ce film. Chut, terrible, terrible. Après, il a été très malchanceux aussi, Leclerc, en vrai. Il y a eu beaucoup, beaucoup de malchance, hein, chez Ferrari. Bah, ouais. De toute façon, Ferrari n'est pas chanceuse pour les pilotes de talent. Je pense que Leclerc, en vrai, si vraiment tout s'aligne, qu'il y a une bonne voiture, hein, une bonne équipe, des bons mécanos et tout, ça peut match avec le niveau de Verstappen ou de Hamilton ou quoi, tu vois. Après, est-ce qu'il l'est pas sur une saison, je sais pas, mais il est dans la bataille toute la saison, tu vois. Ah, non, mais ça, c'est sûr. Tu sais que l'autre jour je posais une question par exemple entre Lando et George, pour toi, qui a le meilleur potentiel pour être champion du monde? Comme ça je dirais Lando, tu vois. De pute en blanc je te dirais Lando. Ouais. Mais je pense que sur la durée. Sur la durée je dirais que George Russell est probablement celui le plus à même à mener une saison de tout en plus, tu vois. Je pense que Lando est encore un peu trop irrégulier. Je pense que Russell c'est plus facilement être régulier. Ok. Bah alors Russell a le potentiel, mais en fait moi c'est pas tellement le potentiel qui me poserait le problème, c'est que sur les mal formulés. Mais ce que je disais l'autre jour, c'est qu'en fait moi je pense que Russell il va arriver chez Mercedes au mauvais moment. Il va arriver au moment où Mercedes va commencer à perdre en perfo, tu vois, Hamilton va partir, quand Toto va partir. Que du coup bah lui pour avoir un titre ça va être giga galère. Là où Lando avec McLaren, bah ça fait que de monter, tu vois. Donc moi je vois plus un Lando Norris que George champion. Alors oui, alors moi c'était sans prendre en compte les voitures. Ok. On fait confiance à Mercedes. Ouais, on fait confiance, mais à un moment ça va tomber, tu vois. Déjà cette année, c'était compliqué, tu vois. Cette année, bon. Ça va que fin de saison, il y a eu un réveil, mais la globalité c'était pas ouf. Merci Néo du coup pour le recette. Petite tartine, oh le crack. Est-ce que t'as froissé la concu aux cartes? Qui, moi? Non, y'a un mec qui a fait des tartines ça. Ah, pardon. T'allais faire du kart? Non. Bon bah alors ferme-la. Bah alors tais-toi. Bon mon Pierrot. Attends. Mais je te promets gros, j'arrive pas à remonter. Mais la course elle est à quelle heure? Mais la course c'est maintenant là, monsieur, parce que bon on fait. Bah c'est juste que là on a fait les coups de. En vrai on a une belle bataille je trouve en première course. La course 1, oui! Ouais. Voilà. Allez, c'est bon, une seconde, 7, tu devrais revenir. Là. T'as fait le choix, concentré de vous. Allez, focus. Il a dû faire Hamilton, c'est Maldonado, il va se faire passer par Russell. Attention, hein! Il y en a des fans d'Hamilton, attention! Hein. Je pense vous allez être surpris par Russell quand même. Ah, Russell sera dans les 10e d'Hamilton, à mon avis. Il sera beaucoup plus proche que Bottas, en tout cas. Il a eu jusqu'à quelle heure ce soir? Mais là, c'est la dernière course. Là. La dernière course, les pattes. Je sais pas du tout d'où ça vient. On va avoir un problème d'alignement dans les.
battu. Bon, vas-y là. Non, mais non. L'aide des pieds au passeport de Championship. Ouais. Oh, le bâtard! J'avoue que tu m'as flash là. Let's go, la baston, let's go! La bagarre! La bagarre! Ah! Ouais, non, non, gros, j'ai. La vie de ma mère, j'ai bloqué les roues et tout, j'étais pas serein. J'ai cru qu'il allait me mettre une portière de fils d'up pour t'envoyer chez Vettel là. Allez, un peu de baston là. On va se battre là. Et oui, c'est back. Yes, boys, on a vu, on a vu. Ça va les off-track, tranquille. Off-track stratégique, ah, c'est ça? Ouais, off-track stratégique. Bon, c'est quand même mon 7ème incident. Tu vas être un peu loin. Tu vas être un peu loin, mon bro. Crâne. Un contact et c'est le DSQ. Ah merde! Ah, ça, ce serait terrible. Non, on a un drive through. T'as de la chance. Oh, t'as de la chance que j'ai mis un coup de patinage. Blocage. Oh, l'XT, incroyable. J'ai hésité à te mettre dehors. Limite la barre de gravier. On va bien 3 minutes, Pierrot. Quoi? Non! Oui, t'as pris un off-track? Ouais. Yes! Ah, je suis au top. Non, je suis au top! Yes! Let's go! Let's go, boys! Je pense que c'est un peu chez Tonai. Quel fils de... I push him, he push me back. It's not fair! Ah, tu peux la... Let's go, boy! Aïe, 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 aïe. Oh. Ah, ça se bat enfin un peu, là. Ça va, bref? Tranquille, toi? Non. Non, on fait des points de soleil. Ah, d'accord, on en est là. Salut, mon ref. Ha ha ha.
ils m'emmènent comme une IA sur F1. Je suis mort. Ouais. Attends, j'ai failli faire une Rosberg. Hein. Je te jure que j'ai failli pas tourner. Hein. Ça aurait pas été cool. Oh gros, c'est mon virage. Hein. Oh le clébard. Quel goût tes croquettes toi le week-end. Bâtard. Verstappen. Le climat. Oh la défense de Verstappen. Ah je vais hurler. Oh le changement de ligne sur le frein. Ah yes. Oh non, dirty man. Oh le drapeau blanc. Alors là you move undertaking Mikey. No. Oh le réflexe de clébard. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Mais ça a l'air. En plus j'ai fait ça dans le village le plus dur. On l'a vu les gars, Clébé c'était de retour dans le chat, on l'a vu. Dernier tour. It's time. Alarme quoi? Approche une alarme! J'ai une alarme sur le volant! C'est normal. Oh merde! Oh! J'ai pris trop le vibreur, putain! Pareil! Merde! Oh putain! Non! Espèce d'enculé! Ah, je suis DDS que j'adrive trop, enculé! J'adrive trop, t'es un bâtard! L'enculé, le bâtard! Putain, mais vous avez vu dans le chat! L'assassinat! L'assassinat, mesdames, messieurs! Je l'ai pas touché! C'était sûr! Je t'ai pas touché! Ah, c'est terrible, mesdames, messieurs! Tu m'as pas touché! J'ai pas touché! Il a pas touché! Il est à l'intérieur! J'ai pas compris! Hein. J'ai dive à l'intérieur, t'as pris un hit marker, je sais pas comment ça s'appelle sur Racing là! Mais l'autre il me parle de netcode! L'autre il est à Limoges, je suis à Paris, qu'est-ce qu'il me parle de netcode le gars là? Let's go, on a battu Netello! Oh là, non mais quel. Oh là là, mais c'est. Non mais je te jure, je faut revoir ça! This has been manipulated, man! Non! Je te jure, en fait j'ai dive à l'intérieur et t'as spin au moment où je suis mis à gauche! Mais vous l'entendez? Vous l'entendez? C'est vrai! Mais c'est vrai! Moi je vais aller voir le replay tout de suite. No Mikey. Attendez, une course folle, hein. Une course folle, on va voir ça tout de suite. Course folle, les trois derniers tours ont été d'anthologie! Attendez. À vivre exclusivement sur les antennes de Canal+. Alors. Attends, moi. Oh! Oh je l'ai pas touché Kim Dim. Non mais quel clébard. Non mais vous avez vu ce clébard ou pas? Non mais. Oh t'es mal chopper. BOM. En fait j'avais pas la notion de la voiture à droite. Genre non mais gros. Alors déjà pas... Alors premièrement tu me touches. Deuxièmement, à quel moment tu vas prendre le virage mon bro? Parce que oui certes tu touches le point de corde, mais le point de sortie il est où? Dans la tribune en face de toi. Ah, ça passe, sur un malentendu, ça passe. Bien sûr. Oh là là. Oh, il se peut que ouais, un netcode, je t'ai dit. Oh non, gros, ah, t'abuses. En vrai, j'avoue, t'as, en vrai, enfin, je comprends ce que t'as voulu faire, tu vois, mais oui, tu vois, en fait, sur F1, pas et c'est juste que j'ai pas la notion à la partie à droite de la voiture, en fait. Bah, alors, il y a de ça et de deux, je pense que, en fait. Genre c'est une GT donc du coup ce que tu fais tu peux le faire en monoplace tu vois. Mais sur un GT faut être plus ferme là dessus tu vois genre Oui je sais que tu... Après enfin fallait bien que je me venge du Brésil au bout d'un moment mais... Aïe aïe aïe. Oh ça reparle du Brésil mais écoutez le
Oh, c'est terrible ça, c'est terrible. Ah là là. J'ai vu ton message, Ethan, t'inquiète. Ouf! Ah là là, c'est vrai que tu fais un break check aussi proche, tu freines aussi tôt. Comment ça, je fais un break check? Attends, où est-ce que oh, je freine? Oh bordel. Mais en fait, c'est juste que, les gars, je vous explique vraiment. Genre, ah, j'avoue, en fait, j'ai. Ah ouais, je freine super tôt en vrai. Attends, c'est où le cockpit là-dessus? Cockpit, là, merde. Non, alors, je reconnais en gros fait... que je freine très tôt. Mais parce que, encore une fois, non, j'ai pas que... le son dans le casque et du coup, je me rends pas compte où j'en suis quoi. C'est juste que je pensais pas que la partie droite était si large, mais tranquille. Oh là 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 là, tu t'es fait ficha par iRacing sur Twitter? No way. Oh la télé, c'est vrai? Ah ouais? Oh la télé, arrête. Si c'est vrai. Oh les larmes. Hein. Attends, moi je voudrais revoir le départ. Oh, je veux voir si merde. C'est vrai. Hein. Je vais prendre la screen de ta livrée. Alors faut que j'en fasse une. J'ai pas de livrée pour l'instant. Ah là 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 là, c'était bien marrant en tout cas. C'est bien marré. Hein. On s'est bien marré. Hein. Ah voilà. Regarde, oh, j'ai très peur. J'ai très peur de ce que lui il va m'envoyer là. C'est Hamilton? Une event. Oh là là, j'avoue, mais t'es un. Oh! Ah, mais j'avais pas compris moi. Oh, j'avoue. Oh, là, là, oh le là, départ, là, là. Il est catastrophique, mon bro. En gros, t'as mis un kick à Jardier, frère. Oh, mais il est. Jardier, il va me détester, hein. Bon, en plus, il a Jardier, pris un giga start, il était tranquille et bam! Oh là 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 là, c'est terrible. Bon, la première course était bien en vrai. Hein. La première était pas dégueu. Hein. Bon, la deuxième. Ouais, c'était bof, chaud quoi. Avec Jimmy quand même. Et là derrière, non mais regardez les enfoirés, ils me font un 3 de fond. Oh. Je vais voir ce qui s'est passé au premier. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, je me suis fait déposer, mais par tout le monde en fait. Si, voilà. Mais oui, en fait, regardez la barre bleue à gauche. C'est pour ça que la voiture elle a. Genre elle s'est coupée! Oh ouais, non, c'est terrible! Oh, c'est terrible! Et attends, et alors après il s'est passé quoi du coup à l'épingle là? C'est terrible! Putain, mais je laisse tout le monde passer! Non, mais t'es ma ça! Oh, c'est terrible! Jardier il avait rien demandé! Il fait un excellent départ, Jardier, il évite tout le monde! En fait, et là il se fait mettre dehors par un bolos! Oh, mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Jimmy? Ah ouais, d'accord! Oh, mais Jimmy t'abuses! Ah, Jimmy il prend l'inté de tout le monde! Ah ouais non ok. Ah non, il pousse pas. Ah oh, j'avoue le 3 wide. Oh le 3 wide. Ouais moi je fonce dedans. Putain mais pourquoi je le vois pas arriver moi? Attends mais je regarde. Ah en vrai ça se trouve je regardais pas devant moi. Hein. Wouah ok t'es là. C'est bon. Ah, je réagis trop tard. Ouais il arrive. Ouais. J'avoue mais attends mais t'as eu zéro réaction quoi? Non mais en fait j'ai là à ce moment là j'étais en train de regarder où était la voiture qui était à ma droite si je dis pas de bêtises. Et c'était Matt Malone, c'est ça ou pas? Ouais. En fait, je regardais où était Matt, et ah ouais, il y avait Tyson Mayer qui était aussi à côté, tu vois, donc on était déjà en 3 wide. Et du coup, je regardais ça, et d'un coup, je vois une voiture pop devant moi, je fais pas. Pouah. Noom Poon Terino, bah ouais, mon bro, mais bon, Noom Poon Terino. Terrible. On a vu le comeback de Lewis Hamilton, les potes. Oh là 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 là. Ah, bon, départ, en tout cas, moi, je vais enregistrer ce. Ce petit replay. Ah oui, le volant après était. T'avais le volant un peu tordu, toi. Bah, le volant il était à 90, mon bro, donc au KLM, quoi, comme on dit. Terrible. Franchement, stylé la petite bataille qu'on a fait à la fin là. Non, c'était bien, moi j'ai bien aimé. Je pense que c'était pas mal. Je pense que c'était pas mal, les potes. Putain, le moucheron qui m'a fait chier toute la course là. Oh là 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 là, bon. Dans 2 semaines, on roule où déjà? Tu sais ou pas? Je crois que c'est Barcelone. Faut que je regarde le calendrier, les bros. Barcelone, faut qu'on fasse mieux, Barcelone. La course s'est bien passée, la première, ouais, Mamba. Mais la deuxième, on a eu... Tu veux voir la deuxième, Mamba? Bouge pas, je te montre. Tu veux voir la deuxième, Mamba? Tu veux voir ce qui s'est passé à la deuxième course? Broadbent, il te maudit, là. Ah bah, ouais. Mais bon, sorry. Moi, j'étais en train de regarder derrière et tout. Regarde. Enfin, bon. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup. Enfin, si, ouais, ça. Vu que. Si, ouais, ça a changé de ouf, ça. Sa course, à mon avis. Mais... Voilà, tout simplement. C'est. C'est ridicule, hein. C'est ridicule, hein. Tac. Bon, alors, bon, attends, bon. Je regarde. Donc, du coup, c'est Barcelone, ouais, la semaine prochaine. Ouais, enfin, la semaine prochaine. Bon. De mémoire, il me semble que c'est Barcelone. Ouais. Attends, je regarde le planning. C'est Barcelone, absolument. Et la troisième course, on sait toujours pas ce que ce sera. Non, c'est en fait, la troisième, elle va être décalée, je pense. Ok.
Donc là, c'est quand? C'est le 19 février? Ouais, bah dans 2 semaines, c'est dans 2 semaines Dans deux simplement. semaines. C'est dans 2 semaines, les petits potes. Dan, 2 semaines. Oh là là, putain, j'en peux plus. C'est vraiment des ridicules. C'est ridicule mon start. Alors, Hydro, il montre son départ Kata, mais il montre pas sa tentative de meurtre au dernier tour. Ah, elle les coups durs. Mais pas du tout, mais je l'ai montré, mais il y a un netcode. Jardier déteste Hydro, Broadbent déteste des piélos. Aïe 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 Ah, aïe alors aïe. là, non. On n'est pas copains avec la commune anglaise, je comprends. On va essayer de... Putain, là, va falloir se racheter une image, les gars. Hein. C'est terrible. Hein. Mais ouais. Ouais. Ouais, je vais enverrai un petit message à Jimmy. Je regardais pas devant et ouais, je regardais à droite. Aïe 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 aïe. Bon! Eh ben No, écoute. Mikey, no! This is no On va fair! là-dessus, les gars. D'ailleurs, mon petit Hydro, question. Quand est-ce qu'on commence la coop sur F1? Saison On va en quoi? parler. 4? On va en parler. On T'as va vu, en parler. Michael Masi l'a remplacé. Alors ça m'étonnerait, ça pour le coup, mais. On Alors. n'est pas encore le 14 février, donc il n'y a pas encore eu d'annonce de la FIA. Donc ça doit être peut-être une rumeur, mais. Pour l'instant, il n'est pas remplacé, je pense. La saison, la coop, oui, on va la faire en février, oui. En février, on se la fait? Ouais, on va en parler, on va organiser ça Va falloir tranquillement. qu'on Et organise ça, ça, ouais. En tout cas, ce on serait va bien organiser stylé. ça tranquillo, ouais. Yes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, c'est tout. Bah, c'est tout. Tu Hein. continues ton live là un peu ou pas? Attends, ça fait Non, combien de temps on on est va en arrêter live le là? Putain, ça PSC. fait Bah, on va arrêter 1h40. le. Ah ouais, ça va pas. Bah, Ah le oui, faut choix. raid le Ouais, PESC. Putain, on j'avais va arrêter oublié ça. le PSC à 20h. Ah mais exact. C'est à 20h? Attends, mais il y a un quart Bah, d'heure normalement. on. Non, 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 on va aller raid maintenant. Ah Non, mais. voilà, ok. Attends, mais c'est sur Twitch qu'on peut C'est à raid? 20h. Oui, bah Ah, oui, tu ok. vas pas être sur YouTube. Non, alors j'avoue que j'ai pas bien regardé les. C'est honteux. C'est C'est rien, c'est honteux. rien. C'est rien, c'est le clavier, les potes. Faut que j'aille Oh trouver putain. le truc de Porsche. Ouh là là. Il est là. Porsche. Let's go. On va raid. Alors, moi aussi, je vais raid, les potes. Je Bon, sais pas Pierrot, comment on si elle fait, a. mais. Mais c'est dans le tableau de on va trouver. Putain, gros. Ça... Mais tu sais que ça fait tellement longtemps que j'ai pas Je vais streamé, me gros. Je recommander. suis Je vais me paumé, recommander. gros. Je sais T'inquiète même pas. pas comment ça se passe. Bon, mon petit Bon. Hydro, je te fais des bisous. Bisous. Vas-y, Bonne on se tient au soirée. À la jus. prochaine. Ciao, Vas-y, bye bye. ciao. Alors, attendez, on va faire un raid. Comment on fait un raid? Ah voilà, c'est là. Lancer un raid sur une chaîne. Porsche, voilà. Il y aura des Français ce soir normalement, donc allez-y, allez regarder le PESC. Ça roulera déjà beau, probablement mieux que nous. Il y aura plus de belles batailles. Mais quoi qu'on a fait des belles batailles aussi quand même dans l'ensemble sur la fin de course, donc c'était plutôt cool. Donc voilà, je vous envoie sur Porsche. On se retrouve lundi pour les actus. On se retrouve la semaine prochaine pour probablement un live. Bah si, ouais, pour les lives. Pour les lives. Comment ça s'appelle? Pour les lives de présentation des F1, on fait ça la semaine pro. Donc on se retrouvera en live sur Twitch, vous inquiétez pas. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Et lundi, vidéo YouTube. Et puis toute la semaine, vidéo YouTube. Et évidemment, live pour les présentations. Sur ce, des bisous. Ciao, ciao. Bye bye. Comment on fait déjà? Ah oui, end.